Bonjour, c'est la variation 17. C'est pour la première fois dans ce cycle qu'on a appelé si fort à la marche funèbre du début du thème. Et ici, ça commence un peu plus doucement. Ça continue. Et tout ça avec le son des cloches. C'est au début. Après, ça reprend dans le Dumas. Cette progression, c'est les harmonies typiques de l'école compositeur russe. Ça rappelle Kovanchina, ça s'appelle Moussorski, ça s'appelle Borodin. Et dans ce morceau, j'aimerais bien vous montrer aussi un exemple très célèbre. L'exemple très célèbre, c'est Bydlo. Du Moussorgski. C'est aussi la marche funèbre. Ici, bien sûr, il reste quand même près du thème, les fameuses secondes. Il se répète sans cesse à vous descendre.
Et après, c'est les secondes qui montent dans cette progression. Et ça commence à sonner. Les cloches qui sonnent d'abord loin. Se rapproche plus et plus. Et c'est la marche funèbre qui continue. Maintenant, ça sont les autres notes aussi. C'est... Et à la fin, ça commence à disparaître. Et cette différence énorme, cette distance qui est énorme entre les cloches de la marche qui sont avec toute la force, qui sont avec de forte, fortissimo. Il y a encore les accents et les tenuto sur chaque note. Et après, du piano. Tout est parti. Tout est disparu.